Voici le top 10 des chiens à la robe de couleur blanche. Le classement a été effectué en fonction de la préférence des Français. Avant de vous dévoiler ce top 10, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel chien vous avez préféré dans cette vidéo. Commençons par la dernière place avec l'Eskimo américain, une race de chiens peu connue dans le monde, qui n'est d'ailleurs pas reconnue en France. L'Eskimo américain descend du Spitz allemand, avec une taille comprise entre 38 à 48 cm au garrot pour un poids moyen de 9 à 16 kg. À la 9e position, nous retrouvons le Commodore, un chien au physique hors du commun qui ne passe pas inaperçu. Ce chien massif peut atteindre 80 cm et peser 60 kg chez un mâle. Ses longs poils à l'apparence d'une toison blanche cordée, longue de 20 à 27 cm, est une particularité de la race. Le Commodore fait partie des chiens de berger. À la 8e place, le Chouvasque Slovaque. Il correspond au type d'un chien de montagne de constitution massive, d'aspect imposant à l'épaisse fourrure blanche. Depuis des siècles, il s'est habitué au rude climat des montagnes, avec une taille comprise entre 59 à 70 cm pour un poids moyen de 31 à 44 kg. C'est donc également un chien de berger. À la 7e place de ce top 10, on y retrouve le berger de la Maremme et des Abruzzes. Comme son nom l'indique, c'est de nouveau un chien de berger. C'est un chien qui possède de longs poils très bien fournis. Physiquement, il mesure entre 60 à 73 cm pour un poids de 30 à 45 kg. Le Spitz japonais détient la 6e place. Un chien de petite taille doté d'une robe abondante d'un blanc pur. Robuste, souple, vif, ce chien est joyeux, audacieux et rusé. Il pèse environ 10 kg et mesure en moyenne 30 à 38 cm. Au milieu de ce classement, on y retrouve le chien de montagne des Pyrénées, aussi surnommé le Patou. Un chien avec un très grand gabarit, il mesure en moyenne 65 à 80 cm et peut atteindre jusqu'à 75 kg chez certains mâles. Il est sans doute l'un des meilleurs gardiens de troupeaux, de fermes ou encore de grandes demeures. Le Patou aime les grands espaces. Le bichon maltais arrive à la 4e place de ce top 10. C'est un petit chien de compagnie particulièrement élégant avec une robe d'un blanc pur. Intelligent, d'un caractère calme et réfléchi, le bichon maltais est un compagnon idéal à tout âge de la vie. Un gabarit léger avec un poids qui avoisine les 3-4 kg et qui mesure en moyenne 20 à 25 cm. Nous voilà désormais arrivés dans le top 3, et la 3e place est décernée au West Wayland White Terrier, connu sous le nom de Westie. La vedette de la dernière décennie, ce chien compact, actif, vif, indépendant, affectueux, dynamique et joyeux, sans oublier une petite dose d'humour, en fait craquer plus d'un dans les pubs comme dans les foyers. Ce petit gabarit mesure environ 28 cm et pèse en moyenne 7 kg. Avec son aspect élégant, le Samoyed arrive en seconde position. Un chien de l'Arctique, le Samoyed est un chien de traîneau avec un poil bien fourni. Il évoque la robustesse, la grâce, l'agilité, la dignité et l'assurance. C'est un chien de taille moyenne avec un plein d'énergie allant d'une mesure de 53 à 57 cm et d'un poids d'environ de 20 à 30 kg. Et enfin, nous voilà sur le podium du top 10 des chiens blancs. Un chien qui ne cesse d'augmenter sa popularité en France au fil des années. C'est évidemment le berger blanc suisse. Un chien robuste, bien musclé, aux oreilles dressées. Il existe deux types de poils chez cette race de chiens, le poil long et le poil mi-long. Le berger blanc suisse mesure en moyenne 53 à 66 cm pour un poids de 25 à 40 kg. Si tu souhaites mieux connaître le berger blanc suisse ou d'autres races de chiens, je t'invite à regarder notre playlist races de chiens. Je mettrai les liens des vidéos dans la description. Ce top 10 est terminé. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. N'hésite pas non plus à mettre un commentaire sous cette vidéo si tu souhaites voir d'autres top 10 du même genre. Et enfin, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne.